Mesdames, Messieurs, Leslie Remenams. Bonjour. Bonjour Leslie. Comme un sac par terre, ça. Non, je te le tiens, pas de problème. Je tiens le sac de Lara. J'ai connu des jours pires que ça. Mets-le sur tes jambes comme ma tante Thérèse. Ça, je vais faire une photo. Et bien voilà, je suis la tante Thérèse de Lara. Écoute. Parle, la belle. Lara, j'avais une question à te poser. Vas-y, Lise. Qu'est-ce qui te met de bonne humeur le matin? Le sourire de loup. Le sourire de loup, oui. Ouais, ça, c'est. Ça s'explique pas. Alors bon, toutes les mamans vont comprendre, genre bah ouais, c'est bien. Les papas aussi. Ouais, les papas aussi, certainement. Mais oui, le sourire de ton enfant qui lui n'a rien d'autre à te dire ou à t'offrir que de l'amour, ça c'est assez exceptionnel. Tu as plutôt une âme optimiste. C'est difficile de te plomber le moral ou pas? Ouais, c'est difficile de me plomber le moral, oui, oui. Mais non, ça va aller. Moi, ça c'est ma phrase, mais non, ça va aller. Alors parfois, ça va pas du tout. Et j'ai appris à dire ça va pas du tout. Et puis, on fera face à ce qui ne va pas du tout. Le problème de ça va aller, c'est ce qu'on évite. Voilà, donc j'ai appris à arrêter de dire que tout va bien, même quand ça ne va pas. J'assume ce qui ne va pas et puis je trouve un moyen de le changer. Mais je suis plutôt optimiste. Alors, on a parlé de l'âge un petit peu avant. Non, ouais, t'inquiète pas. Ah, on avait dit pas de trucs désagréables. Hein, mais tu sais tous, 1h70, ça va, c'est bon. Hein. Juste, mais oui, justement, juste un mot par rapport à tous les âges que tu as traversés. Si je te dis 5 ans, un mot. 5 ans. Papa, je suis chanteuse. 10 ans. Ça me pourrit la vie, les cours de piano. 15 ans, l'adolescence. Oh, que t'es moche. 20 ans. Dégage de là et trouve un peu d'air et d'espace au Canada. En 25 ans, est-ce qu'on a trouvé cet air et cet espace? Continue de ramer, tu n'es pas loin. 30 ans. S'il y avait un gros bruit qui simulerait un accident et un gros crash, ça serait ce que je dirais. D'accord. 35. C'est possible d'aller mieux. Mm-hmm. Puis on arrive à la quarantaine. Que t'es belle. Aujourd'hui, tu te sens comment? Sereine? Oui. Oui, vraiment, sereine, simplement, voilà, je traverse la vie avec plus de légèreté. Du Père Noël, donc. Sereine. Toute dernière question, complète cette phrase, s'il te plaît. Si je n'avais pas été chanteuse, j'aurais été. C'est pas mal comme idée, ça. Parce que, vous avez dit quoi? Criminologue. Oui, oui, cuisinière aussi. Non, aujourd'hui... J'aurais été la maman d'au moins 5-6 enfants. Ouais. Ouais, c'est ce que je dirais aujourd'hui. Ouais. Ça reste négociable. Ça reste négociable. Ah non. Ah bah non. Il faudra faire des quintuplés. Avec les progrès de la technologie aujourd'hui. Je sais pas, t'as des projets ce soir? Non, moi je suis ta tante. Regarde, je suis ta zia. Je suis avec ton sac comme ta zia. C'est vrai que tu fais un peu la vamp italienne. Écoute, des quintuplés, ça pourrait le faire. Oui. Merci beaucoup, Lara. À toi. À tout de suite avec Lara Fabian, notre invitée dans les chauds matins. Nostalgie.